Bonjour les loulous, je vous fais juste une petite vidéo des commandes que j'ai reçues, plus un petit peu ce que j'ai acheté un petit peu pour les fêtes, quoi, vite fait, juste pour vous faire plaisir, en espérant que bah, tant ça vous plaira, et de deux, que ça peut vous tenir des idées pour tout ce qui est éventuellement des futurs cadeaux ou quoi que ce soit. Je suis désolée. Alors, j'avais fait la vidéo, j'ai perdu le début de ma vidéo, donc du coup, vous aurez que là maintenant, c'est un morceau de cette vidéo. Je suis désolée pour le retard, pour les vidéos aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Je tenais à vous informer par rapport aux commandes que j'ai eues et aux commandes que j'ai faites et surtout aux achats. Ce que j'ai acheté récemment, donc j'ai trouvé 10 petites bougies, donc là il en reste plus 4 parce que c'était pour un cadeau. J'ai trouvé donc 10 bougies à la rose, alors parfum crème de France à la rose, et sans mentir, je crois que je les ai payées même pas 2,99 à Centre-Accord, donc ça valait vachement le coup. Et elles sentent super bon. Alors c'était pour un cadeau de Noël pour des Bouddhas en fait, et je voulais des choses qui sentaient la rose et un truc rose, une touche de rose, et du coup je les ai trouvées super belles. Il y avait ça ou praline, et je voulais pas praline. Et j'ai trouvé non parce que ben il y a les odeurs de chien, il y a des odeurs, vous savez, de cuisson et tout dans la maison. Nous, on met beaucoup d'encens et on a trouvé des fleurs de lotus. Donc 15 bâtons de fleurs de lotus, fleur magie. Et pareil, il les a pas, mon homme les a pas payés du tout cher. Sans mentir, je crois qu'il a dû payer entre 1 et 3 euros le paquet. Ça valait vachement vachement le coup. Donc voilà, donc ça c'était pareil, c'était à Centre-Accord. Ensuite sur AliExpress, j'ai commandé un soin pour la repousse de mes cheveux par rapport à l'opération. Donc pour ceux qui connaissent, c'est ceci. C'est marqué en chinois, mais en fait c'est sous forme de flacon comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et c'est en fait c'est un soin capillaire pour l'aide à la repousse des cheveux. Donc, en fait, grâce à ça, mes cheveux vont pousser. Parce que mes cheveux, je les perds énormément. Alors, j'ai payé vraiment pas cher sur AliExpress. Vous savez, il y a les soldes, il y a les rushs des soldes. Donc, vous avez vos soldes et vous avez les rushs. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et ensuite, j'ai acheté, donc, on voit pas très bien, des rajouts. Donc, c'est des clips. Donc, je les découvre avec vous. Hein. J'ai vu l'emballage. Mais là, je les ai vraiment, vraiment, vraiment avec vous. J'arrive. Voilà. Donc, j'avais pris châtain en foncé. Et en fait, je vois que c'est châtain clair. Donc, on verra bien. Donc, vous avez le filet avec les cheveux. De toute façon, on verra. Je vais faire... la vidéo avec, je pense, après. Vous avez donc le site internet où c'est que je peux les trouver. Et je les ai payés à, si je dis pas de conneries, frais de port inclus. Si c'est quelques. Ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc voilà. Donc, je sais pas si certains font des achats sur AliExpress ou quoi. Mais en ce moment, vous avez les rushs des rushs et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Pris en rajout, j'avais pris tout ça en fait. C'est pour les fêtes, pour faire un chignon. Et je trouve en fait qu'ils sont super beaux. Ils sont vraiment, on dirait. Voilà. Donc je ferai un. Je vais aller les essayer, voir si ça fait la même couleur de peau. Et je vous ferai une vidéo avec. En tout cas, j'ai acheté pas mal encore de choses sur AliExpress par rapport au rush. Et je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, allez sur AliExpress et vous les verrez. Extension posée. Donc par contre, bah, je ne me suis pas brossée. Hein, donc. Mais en fait, je voyais pas la différence entre ma couleur et... Et ça fait comme en fait si j'avais fait des... Si j'avais fait un dégradé couleur, ça fait trop stylé. Regardez, hop, on voit peut-être la différence. En fait, il y a un ton
un ton de différence. Voilà. Bon, facile à poser, pour ceux qui demanderaient. Alors déjà, facile à poser. Pour l'entretien, une brosse à poils, il faut. Donc on verra. Donc voilà. Et sachant que mes cheveux, bah, j'ai des difficultés à les faire pousser. Et que là, il me fallait une longueur pour les fêtes. Et ben, j'ai pris ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Après, je sais pas trop comment. Voilà. Là, j'ai un épi. En plus, avec la barrette de rajout, c'est nickel. Qu'en fait, c'est sur pince. C'est à clipser sur pince. Et elle n'est pas clipsée. Là. Là. Il faudrait que je les brosse. Elle est où? Elle est où, cette épi? En fait, mes cheveux s'arrêteraient là. Voilà. Donc, il y a tout ça en plus. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Je suis désolée. Mais est-ce que ça pourrait plaire? Vous voyez la différence? La différence, c'est que ça donne ça. Qu'est-ce que vous pourrez en penser?